Et salut tout le monde, on se retrouve donc pour cette nouvelle partie de Resident Evil 2 Remake. Donc précédemment, on était donc avec Ada, on visitait les égouts et on s'est fait attaquer par un alligator. Je dois rétablir le courant. Par un alligator en premier lieu et ensuite par Annette Birkin qu'on a tenté d'arrêter, mais elle s'est enfuie et elle a tiré sur Ada et du coup Léon a fait son grand sauveur et l'a sauvée du coup des tirs, sauf que bah, lui s'est pris une balle, donc il a un magnifique bandage. Par contre, ah c'est à cause de la lampe torche, du coup je peux pas vous montrer, c'est chiant. Et donc Ada se retrouve en PLS parce qu'elle a poursuivi Birkin et en fait elle est un petit peu mal en point, donc nous on va aller la chercher. Et tac. Ah, bon, bah, cette porte est inutilisable. Alors, je sais pas si vous vous rappelez, mais dans Resident Evil 2, le premier, là, je peux vous en parler parce qu'il y a la même scène avec Claire A. Les coups de griffe comme ça qui viennent sur le toit comme ça, c'est sur le funiculaire normalement. Et pas ici. Enfin, on n'a pas cette partie ici. C'est ça que j'aime bien dans les égouts, c'est que ils ont vraiment bien élaboré leur truc. Et vraiment complet. C'est vraiment bien ce qu'ils ont fait. Ok. Il est encore vivant? Cette fois, je te tiens. Hop, ça en ramasse. Bon, ça suffira pas. Je savais pas que ça le mettait à terre, ça. Là, le problème, c'est que je vais pas trop pouvoir utiliser le. Je savais pas quand on le touchait au niveau du dos, ça le mettait au sol direct. Ok. Donc là, il est au sol, c'est bien, c'est parfait. Tu vas voir. Donc là, on vient de rencontrer la deuxième forme de G. J'espère que c'est fini cette fois. J'ai juste... Voilà. Parce que j'aime pas être en mode pas bien tout le long. C'est un peu relou. Donc là, on a rétabli le courant. On va pouvoir accéder à Ada. Allez. Ada! Ada, où es-tu? Par ici! Ada! Je commençais à m'inquiéter. Je peux pas l'enlever. Je sais pas si je devrais. Fais-le. Je peux pas marcher avec ça. Ok. Ça va faire mal.
je peux le faire. Détends-toi, ok? Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu devrais partir. Pendant que tu le peux encore. Je vais pas t'abandonner. Pas dans cet état. Tu comprends pas. La situation est pire que ce que je pensais. On se débarrasse pas de moi comme ça. Tu m'as sauvé. C'est à mon tour. Alors comme ça, on compte les points. Tiens-toi à moi. N'abuse pas non plus, hein. Ok, je voulais juste t'aider. Fais attention. Tu veux m'aider? Il faut qu'on aille au Nest. Nest? Le labo d'Umbrella. Là, sous nos pieds. Annette en a parlé. Les échantillons du virus s'y trouvent. Tu es partant? Je crois que je peux caser ça dans mon planning. Allez. On a du pain sur la planche. Oui, chef. Quelle femme autoritaire! Oh là là, j'adore cette femme! Comment elle est mal en point? Le funiculaire nous amènera au Nest. Ce bracelet est notre ticket. Bien. Tu l'as trouvé où? Un emprunt. Mais peu importe, on y est presque. Voleuse. Du coup. Je vais juste. Hop. On va déposer tout ça, on en a pas besoin, on va pas se mentir. Hop. Ok, bon, je pense que ça devrait largement suffire. Toutes les munitions que j'ai, c'est assez infâme quand même. Laisse-moi te porter. Non, je me sentirai encore plus mal. Bah voyons. Comment va ton épaule? Pire que ça en a l'air. On fait la paire. Les deux, un pied dans la vie. Ah, il y a un document. Mot de Claire, Léon, je dois faire un petit détour pour aider cette fille que j'ai trouvée. J'ai peur de ce qui pourrait lui arriver si je ne la sauve pas. Par devant, tu es presque sortie de la ville maintenant. Ne t'en fais pas pour moi, je vais m'en sortir, c'est promis. Claire. Ça pourrait être un aller simple. J'espère que t'es prêt, Léon. Toujours. Cette navette va au Nest. Veuillez ne pas sortir avant la destination finale. Je pensais à un truc. J'ai hâte que le FBI débarque au QG d'Umbrella et foute tous ces enfoirés derrière les barreaux. Moi aussi, et que ce soit clair. Cette affaire n'est pas de ton ressort. C'est une affaire fédérale. Une fois qu'on aura le virus G, je continuerai seule. Hé, Léon. Tu me fais confiance? Et toi? Franchement, si c'était pas le cas, tu serais déjà mort. Je vois. Je me suis dit que tu pourrais m'aider. Et j'ai eu raison. Si tu obtiens le virus G, je ferai en sorte que ce qui s'est passé à Raccoon City ne se reproduise jamais. Ada, tu l'as dit toi-même. C'est une affaire fédérale, Léon, je suis pas habilité. Regarde-moi. J'ai besoin de toi. Si je veux boucler cette affaire, tu es mon seul espoir. Pas question de te laisser ici. Imagine qu'on t'attaque, que tu aies besoin d'aide. T'en fais pas pour moi. Je veux aller jusqu'au bout. Et je veux te revoir aussi.
Je compte bien vivre, crois-moi. Vous êtes arrivé au Nest. Vas-y. Allez, on n'a pas le temps. T'auras besoin de ça. Ok. Léon, je compte sur toi. Je sais. Alors, normalement, le baiser, il est pas tout de suite, hein. La meuf de mauvaise foi, tu sais. Ok, du coup, donc là, on vient de prendre le funiculaire pour aller au Nest. Et donc là, on va y aller. Pour votre sécurité, veuillez attendre l'ouverture complète des portes. Pour votre sécurité, veuillez attendre l'ouverture complète des portes. Pour votre sécurité, veuillez attendre l'ouverture complète des portes. Bienvenue au Nest. Agréable visite à tous. Donc là, on va direct aller sur la droite. J'ai un couteau. Oui, j'ai un couteau, mais c'est merveilleux. Okay. Notre menu basé sur nos recherches biologiques répond à tous vos besoins nutritionnels. Goûtez notre sélection d'aliments, bon pour la santé. Vraiment très souple hein, ces zombies, hein. C'est assez impressionnant, hein. On va pas se mentir. Qu'elle est bien morte. Ok. Bon bah ça c'est parfait. Tac. On va grimper. Donc là notre but c'est de trouver le virus G pour Ada, pour faire enfermer on va dire les mecs qui dirigent Umbrella pour de bon. Ok. Tac. Hop. Ah, merci. Ça, je récupère. Alors, déjà, on va le rééquiper. Voilà, merci. J'aime bien finir ce que... finir ce que je commence. Alors, tac, ça en combine, parfait. Hop. Ok, donc là il nous manque quelque chose. Donc là, on a le badge de niveau 2. Docteur Lee, le chef Pride demande où est le virus G. Urgence dans la zone Est. Hop, ça c'est le plan. On va le récupérer. Voilà, merci. Hop.
Ah ah! Ça, on prend. Le truc qu'il a sur lui, on connaît déjà. SS, examiner. Désolée pour le son strident, je sais que c'est un peu relou. Hop, voilà. Ça, on récupère et puis on se casse, parce que ça, on l'a déjà lu. Tac, donc ici on n'a plus rien à faire. Ok. Donc on va gentiment pouvoir continuer. Hop. J'adore les petits trucs ici là qui servent strictement à rien. Je veux pas être méchante, mais si quelqu'un tombe, c'est pas ça qui va l'empêcher de tomber. Hein. Faut pas se mentir. Donc là, on va aller dans la zone est, comme avec la partie claire. C'est un truc par contre que je regrette un peu, c'est que toute la partie laboratoire, j'aurais tellement voulu qu'ils développent beaucoup plus en fait cette partie. C'est un peu dommage parce qu'ils ont fait un tel développement sur la partie des égouts que je m'attendais un peu à un truc de dingue en fait sur le laboratoire. C'est un peu dommage mais bon en même temps le jeu est très bien, hein, le jeu est très bien. Mais voilà, j'ai toujours un peu ce petit regret on va dire. Tac. Hop. Ok. Ouais. Tac. Ouais, bon après, je sais pas si c'est utile que j'en prenne autant. Ouais, je pense que je vais juste déplacer ça. J'ai quand même pas mal de munitions. J'ai deux couteaux. Bon, on va y aller comme ça. Donc là, on a le patch de niveau 3 qu'il faut aller récupérer. Bon sang! Putain de merde. Merci. Ça en prend. Putain de merde. Je sais pas si je les ai pétés. Non, je les ai pas pétés. Plein de balles de petits flingues, hein, donc moi j'hésite pas à les dépenser. Ah, merci. Hop. Du coup, ici, c'est pas les mêmes codes que dans la partie A. Du coup, on n'a pas encore les codes.
Vérification de solution en cours. Les codes pour déverrouiller différentes zones ici, c'est inchangé entre partie A et partie B. Donc Claire A, Léon A, c'est les mêmes codes. Et Claire B, Léon B, c'est les mêmes codes aussi. Et là, je n'ai pas le code. Donc, il va falloir qu'on fasse... Hop. Donc là, ici, on a ça. Donc, ok. Hop, voilà. Donc, on va déverrouiller la trappe qu'il y a là. Du coup, donc c'était ça, ça, tac, tac. Ok. Voilà. Oui, ça repousse. Ça repousse. Du coup, hop, on va aller par là. Ça, c'est cool. Tac, combiné. URF, ok, examiner. Merde, excusez-moi. Hop, utiliser. Du coup, ça on examine. Hop. Oh, le code. Donc voilà, on a le deuxième code du coup. On va pouvoir entrer. Ok. Je sais pas si. Non, je vais pas aller par là.
Vive le couteau, on va finir. Sans ça, je sais pas ce que je ferais. Ok, donc ça c'est fait. Ça on récupère. Hop, ça aussi. Non, ça on avait déjà lu en fait, donc. Ok, je vais retourner au niveau de mon coffre. On va se débarrasser de 2-3 trucs. Hop. On va récupérer des munitions. Du coup. Hop, bim. Combiné. Voilà. Ça, je vais déposer. Ah, je l'ai pas combiné ça, mais quel idiote. Je me disais aussi, c'est bizarre, je fais pas de dégâts. Lol. Tac. Je pense que je vais prendre le petit fusil à pompe. Ça, du coup, de toute façon, je vais pouvoir le jeter plus tard, puisque je vais utiliser le code dans très peu de temps. J'ai dit que je prenais des petites munitions aussi. Hop. Tac. Déposer. Voilà. Bon, je pense que je vais y aller comme ça. De toute façon, j'ai pas énormément de trucs. Hop. Donc là, du coup, on va retourner par là. Hop. Donc là, maintenant qu'on a le deuxième code, on va pouvoir déverrouiller le petit laboratoire. Qui suscitait déjà ça, ça, ça et 2 points. Hop, parfait. Hop, nickel chrome. Non, je me casse gentiment. Voilà. Donc là, on utilise ça pour mettre le produit à l'intérieur. Mode manuel activé. Ajustez le volume de solution en fonction de la cartouche. Ok. Du coup. Donc là, en fait, il faudrait le double de celui-là. je sais plus lequel remplit lequel, en fait. Je sais plus du tout. C'est celui-là qui remplit celui-là. C'est ça. Ok, d'accord. Ça marche. Je pense que je le fais exprès. Voilà. Hop. Tac. Donc là, on met la solution dans le truc. Il va falloir réfrigérer tout ça. Comme pour la partie claire. Ça, du coup, on peut le jeter. Oui, merci beaucoup. Bien aimable. Queen House. Aussi, c'est bizarre, je faisais pas de dégâts. Hop, là je vais juste aller ici vite fait.
Voilà, on récupère ce qu'il y a un petit peu ici. Comme ça, on va avoir plein de munitions. Combiné, bim, déposé, hop. Ok. Tac. Il y en a un là, ok. Il y en a un ici, ça marche. Bienvenue, Docteur Lee. Vous avez 5 nouveaux messages. Qu'on a déjà lu dans la partie claire. Qui a laissé le congélo ouvert? Alors on prend ça, ensuite on utilise ça, on met ça. Refroidissement en cours. Merci. Ok, donc ça c'est cool. Donc c'est bien, on a ça du coup. Je sais pas si c'est une bonne idée. Je repasse par là parce qu'il y a l'autre qui va se réveiller, je pense. Après j'ai un couteau, j'en ai même deux. Une copie. Voilà, comme ça je passe devant. Ok. Qu'est-ce que j'ai? Ouais, j'ai. On va reprendre ça. Voilà. Pulvérisation de solution en cours. Oui. Bon, bah ça c'est parfait. Ça a marché. Bien sûr que ça a marché. Alerte. Vous avez répandu une solution dangereuse sans autorisation. Il y en a encore un là? Non. Et vous pourrez faire l'objet de mesures. Voilà, histoire de pas être trop emmerdé. Donc ça je prends et on se casse parce qu'il y a Monsieur X qui arrive. Merde, encore lui.
On se casse, on se casse, on se casse gentiment. Au revoir, Mister X. C'est pas contre toi, hein, mais... Donc voilà, du coup on a le bracelet de niveau 3. On n'a plus qu'à aller chercher le virus G. Hop. J'espère que les gentils... Donc la cassette, on l'a déjà vue, j'ai pas besoin de la récupérer. Hop. Alors, du coup, examiner. Ah, donc ça, on en a plus besoin, on peut le jeter. Oh, la débit, j'ai pas récupéré la plante bleue qu'il y avait dans le... Bon, tant pis, c'est pas grave. Hop. Donc ça, je prends... Ça aussi... Combiné. Hop. Non, 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 je vais le combiner. Voilà, merci. Hop. Ok. Tac, ça on va déposer. J'ai pas spécialement besoin. Je sais pas si je garde, je sais pas du tout. Je pense que je vais garder ça tranquillement et je pense que ça devrait suffire. Je vais juste prendre un soin en plus au cas où. Oh non, ça va, j'en ai un être 4 5, donc ça devrait largement suffire. J'ai un couteau, j'ai ouais, j'ai tout ce qu'il faut. Bon. C'était facile. C'était facile. Ok, du coup. Ok, pourquoi pas. Du coup. Début du confinement de la structure. La séquence d'autodestruction sera lancée une fois le confinement terminé. Je pense que je vais en rester là pour cette vidéo. Donc la vidéo qui va suivre sera probablement très courte, du coup je suis désolée. Je voulais pas que les vidéos soient trop longues. Donc là du coup on a sauvé Ada du coup des griffes de G deuxième forme, on va dire ça comme ça. On a fini les égouts, on a fini le commissariat. Donc là on est arrivé au Nest pour récupérer le virus G que l'on vient de récupérer.
Donc on n'a plus qu'à aller rejoindre Ada pour lui donner le virus G et puis sortir d'ici, hein, parce que bon, va peut-être falloir qu'on dégage de là. Donc voilà, du coup, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Je vous fais de gros bisous et on se dit du coup à la semaine prochaine pour la dernière vidéo de Resident Evil 2 Remake, Léon B. Donc bisous tout le monde et à la semaine prochaine, prenez soin de vous.